Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements à ne surtout pas manquer cette semaine. Nous vous en parlions depuis quelques semaines déjà, les entretiens de Valpré auront lieu le mardi 1er octobre à Écully-Valpré, près de Lyon. Cet événement réunit chaque année des décideurs, cadres et dirigeants à la recherche de repères, de sens et d'authenticité sur des thèmes en lien avec le monde de l'entreprise. La journée commencera par une messe suivie de divers entretiens et ateliers sur le thème « Tous égaux, une imposture ». Davantage de renseignements et inscriptions sur le site www.entretiendevalpré.org. La laïcité est au cœur des débats dans l'actualité de la rentrée. Entre autres exemples, ces derniers mois, l'installation d'un observatoire de la laïcité ou la présentation d'une charte de la laïcité à l'école. Le Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, organise le mardi 1er octobre une soirée publique dont l'objectif est de rappeler les principes et les valeurs républicaines qui président à l'organisation de notre vie sociale. La laïcité serait-elle malmenée, oubliée? Y a-t-il une morale laïque ou une manière laïque d'enseigner la morale? Quelle place pour la dimension religieuse dans l'acte éducatif? Place au débat de 19h15 à 20h45. L'entrée est libre. Plus de renseignements sur le www.centresèvres.com. Pour la première fois à Lyon, le musée d'art religieux de Fourvière accueille une exposition consacrée à Georges Rouault, un peintre chrétien contemporain d'Henri Matisse et de Pablo Picasso. Vous pourrez découvrir 58 planches du Miserere, 17 gravures du cycle de la Passion, ainsi qu'une trentaine d'autres œuvres, toiles, vitraux et dessins, qui témoignent de la spiritualité de l'artiste et de son attachement à la figure du Christ. L'exposition prendra ses quartiers à partir du mercredi 2 octobre jusqu'au 5 janvier 2014. Plus d'informations sur www.lyon-fourvière.com. On le sait, la retraite est une étape importante de la vie. Même si un agenda de retraité a tendance à se remplir rapidement, c'est un temps privilégié de liberté dans le choix des activités qui donne l'opportunité de se recentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi une session pour les retraités est organisée par la communauté de l'Emmanuel au sanctuaire de Paray-le-Monial du lundi 7 au vendredi 11 octobre. Elle a pour but de permettre aux participants de mettre cette étape sous le regard de Dieu par des enseignements et des ateliers nourris par la liturgie, la prière personnelle et communautaire et les échanges fraternels. Pour s'inscrire, composez le 03 85 81 62 22. Si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos actualités, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Avant de nous quitter, nous écoutons un extrait de l'album Requiem composé par Frédéric Ledroit, titulaire des grandes orgues de la cathédrale d'Angoulême. Bonne semaine à tous.